Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Toye ko pesa, merci et pa ya mokonzi ya mboka Fadji. Ona oya saleli biso ya munene ya kitoko ya ko présenter biso gouvernement moko avec 109. Nous, nous sommes le mouvement citoyen Télémaque composé des bishops Élysée en Afrique du Sud, ici en Belgique, des révérends Caro, ainsi que moi-même l'écrivain Andy Wati Francis Kadima. Nous nous réjouissons énormément, président de la République. Cela montre vraiment qu'il y a 109. Et c'est pour cela que nous avons les vins nouveaux. Les vins nouveaux, on ne peut pas les mettre dans des vieux outres, ça va casser. Tu es du vin nouveau et tu nous as montré, tu nous as plus que démontré que vraiment ce que tu fais ne peut que réjouir notre cœur. Le vin de la réconciliation, le vin de la reconstruction, le vin des rétablissements, le vin des retournements de situation, oh, le vin des rebâtissements même de notre pays. Nous t'en sommes reconnaissants et nous te disons merci. C'est vrai que dans les castings, on a vu qu'il y a peut-être deux ou trois noms, mais ce n'est qu'un détail hein, au niveau des castings. Donc, nous pensons qu'on peut toujours rectifier les tirs. Mais vraiment, nous nous réjouissons énormément, nous qui sommes des mouvements citoyens Télémaque. Et nous pensons même qu'un bon matin, nous serons au Congo pour soutenir cette vision de l'Union sacrée. Quel conseil je donnerai à tous ces bien-aimés qui sont aujourd'hui nominés? Le lot Bozu ba poste ministériel, il faut pas oublier que vous travaillez dans la vision du président. Vous ne venez pas avec votre vision. Vous venez travailler dans la vision du président. Vous n'êtes pas venu pour éclipser son image. Vous êtes venu pour le soutenir, faire ce que nous pouvons dire aujourd'hui et ce que nous proclamons et ce qui a toujours été proclamé, le peuple d'abord. Différence. Ce gouvernement doit montrer la différence. Botambola na bomoko, botambola na esprit ya kotonga, botambola na esprit ya ko relever ba défi. Oh, yo plus de 50 ans dans notre pays, y'a eu que chaos sur chaos. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité et nous, le peuple, nous sommes derrière vous. Nzambe asungabino, nzambe abatelabino, naibi que vous êtes compétent en la matière, vous n'avez pas été choisi au hasard. Vraiment, nous vous félicitons. Merci, président de la République. Merci aussi, le premier ministre et merci tous les ministres qui sont nommés. Maintenant, je vais parler, comme je l'ai dit la fois passée, hein, je vous avais dit que je vous parlerai de pourquoi j'ai quitté l'ensemble de Moïse Katumbi. Mes chers amis, c'est depuis 2012. En 2012, moi, je faisais toujours mes émissions chez Jacques Congo Mikili. Puis un jour, il m'a dit, mais écoutez, il y a un gouverneur du Katanga à Yaoura, à Lingui, faire connaître ses réalisations et il a besoin aussi des chambres d'écho. Je trouve que toi, tu parles bien, tu peux faire bien ce travail. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème et nous avons commencé à parler de lui parce que on nous avait donné quelques CD de lui pour pouvoir en tout cas les diffuser dans les réseaux sociaux. Quelques temps après, nous allons rencontrer donc son envoyé qui est Salomon Idi Kalonda qui va nous rencontrer ici dans un hôtel et puis on va tailler un peu bavette et puis le travail va vraiment commencer. Quelle est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase? C'est le dédoublement. Le dédoublement, quand nous avons commencé, vous savez, il n'y avait pas de katumbisme. Donc, Moutouyo, Batouyo, Babandi, Kotanga, Kumbwa, Katumbisme, Elbosu, Ezali, Bissot. Tokutakin de Komoko, Awana, Bruxelles, qui avait le mouvement katumbiste. Et puis, moi et Dieudonné Makubakuba, nous sommes montés plus au créneau pour parler de katumbisme. Et en parlant de katumbisme, un jour, on va dire même à Salomon, si on pouvait faire des colloques là-dessus, il a dit attention, ne venez pas faire des mobutismes, des katumbismes ici, ainsi de suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que le lot mouvement aux yeux en plaire depuis 2012, de passer au créneau, mais
le lot, c'est deux autres personnes qui se lèvent pour dire que Bahonde, bah, fondateur, il y a Katumbisme. Donc, il n'y a jamais eu vraiment là-dedans, ce que je peux dire, même un SMS pour dire remerciement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je l'ai dit dans ce livre ici, hein, dans mon livre, c'est des changements de mentalité. J'ai écrit quelque chose d'important en disant qu'il a remarqué dans Batunabiso News, en politique, comme d'église, tous ceux qui sont bien positionnés, ils n'ont pas l'habitude d'acquérir réception quand on voulait envoyer une lettre, ils n'ont pas l'habitude de dire merci, ils n'ont pas ces petites bonnes manières que nous avons appris ici en Occident de dire s'il vous plaît, basant ma manière on a fait. Donc, leur attitude est un peu déplorable. Donc, mais ça, là, nous sommes tous à la couvenant. Aucun jour n'a reçu un SMS ou quoi que ce soit pour dire un remerciement. Donc, comme je disais, ce qui a fait déborder ces vases-là, c'est quoi? Moi, j'avais créé Chapwe Generation. Je me suis dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour démarquer, donner comme emblème ou symbole na Makambo et Tokoti. Alors, j'ai trouvé que Moïse Katumbi portait tout le temps un chapeau. Je dis, mais bon. Donc ça, le chapeau est comme emblème de l'Akatumbisme. Et personne ne peut dire le contraire. Quand nous sommes allés ici dans des réunions, j'en ai distribué plusieurs et plusieurs et plusieurs avec mention chapeau génération. Donc, la Niosuana, quand on va rencontrer plus tard Salomon, il nous dira, ah voilà, il faut que Bikoti Oyo et Kotape Nakatanga. Je sais que j'en avais imprimé plus de 1000. Qui n'ont jamais été acheminés, on vous donnera des raisons plus tard. Et Makuba Kuba va s'ériger dans ce qu'il appellera les PKDS. Alors, on va co-imprimer bah, pins, bah, drapeau, bilouke, bilé, 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 pour vous dire que là aussi, il n'a jamais été, en tout cas, encouragé ou remercié pour le grand travail qu'il a fait. Parce que ce mouvement-là de PKDS va entrer dans beaucoup d'autres coins du pays. Mais vraiment, on dira qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance. Donc, la première des choses dans ces mouvements que nous appelons Katumbisme, nous avons trouvé tout simplement que dans la gestion des ressources humaines, nous y sommes entrés en 2012, aujourd'hui on est en 2021, nous comprenons tout simplement que on n'avance pas, vous tournez en rond et puis vous ne savez pas qui décide, il y a trop de flou dans le leadership, comme je disais. Donc un bon matin, je me suis réveillé ici en Belgique et puis j'ai vu qu'il y a un autre groupe qui venait de monter la même association. Génération Moïse Katumbi Chapwe, je dis, mais là, ce n'est pas normal. Parce que, Moutasla, qui est mouvement katumbiste, pour de doubla yango, Moutoye, pour ça, la PKDS, quelques temps après, ça a été dédoublé. Chapwe Génération, quelques temps après, dédoublé. Et tout ça, au regard, vraiment, médisé de la hiérarchie qui ne dit rien. Et puis, on se pose des questions, si c'est pas eux-mêmes qui permettent ce genre de choses. Il y a même des KP aussi, on a vu que ça a été dédoublé. Mais comme nous, ce dédoublement, c'était ça donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour vous dire, ce que j'ai remarqué dans cette organisation, c'est d'abord ce que disait Thomas Hobbes au XVIIe siècle. Il dit, si un gouvernement ressemble à un serpent à plusieurs têtes, les autres têtes doivent mourir pour laisser la place à une seule tête qui va diriger. Et là, je trouve que mouvement Katumbisme ou l'ensemble pour la République, c'est un mouvement où le leadership est complètement floué. Je l'ai dit, complètement floué. Vraiment incertain à plusieurs têtes, ou quand il y a un dossier, tu ne sais pas à qui le remettre, pour pouvoir avoir la dernière décision. Je comprends quand Moïse Katumbi dit au président Félix, une voiture ne peut pas être conduite par des chauffeurs, mais lui-même son organisation, on ne sait pas qui conduit l'organisation. Il n'y a personne qui va relever cela, mais dire le contraire. À maintes reprises, nous avons écrit des mémos et des mémos et des mémos qu'on a donné, qu'on a fait entrer, on n'a jamais eu de réponse, même pas d'accusé de réception.
même pas d'accusé de réception. Les groupes sont venus des États-Unis, du Canada, de Londres, de la France. On a écrit des mémos et des mémos pour dénoncer ces choses que j'ai dit ici. On n'a jamais reçu la réponse. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe et que vous ne comprenez pas les tenants, les aboutissants, vous vous posez quand même la question, où est-ce que nous allons? Quand nous nous sommes venus dans le katumbisme ou dans ces mouvements, c'était pour faire la politique. On a trouvé qu'il n'y avait pas la politique à faire dedans. Il y a un groupe de gens qui se rencontrent, qui mangent ensemble, voyagent dans les jets. Ce qu'ils font, on ne sait pas. Dans cette organisation, depuis 2012 jusqu'en 2021, tout ça, la colloque, mokoboyete, le séminaire ou des conférences sur le mouvement, rien. Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Donc je pense que ces partis politiques sont voués à un échec s'ils n'écoutent pas ce que je suis en train de déclarer. Voient un échec parce qu'en fait, leur discours est démagogique, je vais le démontrer, un discours propagandiste et confusionniste. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de clarté là-dedans. J'aimerais déjà vous dire que quand on parle de parité, vous allez qu'il y a Afrique du Sud, dans ce bouquin-là, on parle de parité entre hommes et femmes. Donc, il y a un congrès, le seul d'ailleurs qui a existé en Afrique du Sud, qui a sorti ensemble. Parité hommes et femmes. Regardez que le gouvernement est bimi, tout le monde est dans MLC, tout le monde est maman Eve Bazaïba. Posez-vous la question. Les katumbistes, les gens qui ont été en train de se faire, quelques ministères qui ont été en train de se faire. Et ce qui est clair aussi, tant que les gens ont été jet, je ne prends que cet exemple. Jet en train de se faire, jet en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Il n'y a pas de femmes. Ils entrent eux-mêmes en tant qu'hommes, ils se servent eux-mêmes. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc nous comprenons que les Kambo et Balobi parité na Katia Mukando, ils ont ma Kambo Lokuta. Quand je dis démagogique, donc ils ont ma Kambo Yalokuta. Ils ont ma Kambo Lokuta. Tomoni et Paya Jean-Pierre Bemba, ministre de la Santé, a ouvert la diaspora. Dans le katumbisme, dans la diaspora, nous avons des profs des universités, nous avons des grands entrepreneurs, des docteurs même, ici à Londres. Atamoko bawo zoate pour nous être symbolique. Peut-être que tant bawo zoa makamoto zoloba, bawo rectifier pour un peu se cacher la nudité. Mais on trouve déjà que parité homme-femme, exacté. Moi, si attend moko azana katia, pemeni ya bato balu bazota musa ensemble, azate. Moi, si attend moko azate, on doit diaspora attend moko azate. Donc, on se pose des questions. Où va ce mouvement? Il n'y a pas de parité. C'est écrit ici dans la page 17. Page 17, il y a livre dans les discours prononcés. Le congrès en Afrique du Sud, nous y avons été. Mais tout le monde est à mon côté. Vous êtes à mon côté symbolique, azaté. Alors qu'il y a des gens qui peuvent apporter leur expertise, apporter les talents, les meilleurs d'eux-mêmes, tel qu'il est dit ici dans ma page 19, dans le discours de Moïse Katumbi. Bato bazana ba talent, bouya na mouba posana d'expertise, bouya na mouba posana ba 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 ba. Makambuyo, ba don, boya nango, toko salile yango, pe toko rémunérer yango, pe toko propulser yango. Et loko mongo te na page 19, baza na ba vision, belé belé na kati ensemble, ata moko bazo respecte azate. Quand je parle de dédoublement, ce qui m'a d'ailleurs étonné quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, c'est de voir le slogan, la force du changement. Et là, j'ai été étonné. Comment pouvez-vous parler de force de changement? Parce qu'ils ont un slogan, il y a NV en Belgique. Ils ont un macambo, il y a barre de Weaver, force de changement ici en Belgique.
Donc, vous voyez qu'il y a du plagiat. Un groupe comme ça, où ils ont presque tout le moyen, mais besoin de plagier. Vous savez, à l'université, quand tu amènes un travail, et on dit la plagiat, ainsi que pour exclure une université, pour bengano. Parce que quand tu donnes quelque chose, tu dois ne fût-ce que citer la source de provenance. Il dit dans la page 10 de ce même livre, ensemble nous sommes riches, seuls nous demeurons éternellement pauvres. Mais nous sommes venus avec l'expertise aujourd'hui en Wapoto, Baklas Totangi, Batebele, hein. Parle pas pour moi-même. Batebele, en Afrique, quand on part en Tokena Katanga, Tokena, dans ce qu'on appelle Afrique du Sud, dans la vie, il y a des têtes, des avocats, des maîtres, des juges. Et même ici, quand il parle de réchauffement climatique, depuis Nganazan, un mouvement Katumbis, Mouanaton ensemble, depuis 2012, Namonata représentant Yamakamba, changement climatique, mais on en parle ici. Donc, on comprend que c'est des choses prises à gauche, à droite, qu'on met dedans pour constituer un livre et puis les présenter. Et alors qu'on les présente, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Il n'y a pas d'experts en changement climatique d'ensemble, la monnaie. Donc, regardez que de 2007 à 2015, Moïse Katumbi parle de ses exploits au Katanga. Est-ce que c'était sa vision? Ou bien la vision, il y a Joseph Kabila Kabange qui a parlé de la révolution de la modernité. Dans ce livre de leadership que j'ai écrit, je suis maintenant au 15e livre, Tango Batinio Salamusala est approprié par le leadership de ce Moussala qu'on t'a demandé de faire, sache rendre compte à celui qui t'a demandé de le faire. Et là, nous comprenons que Moïse Katumbi n'a rien fait au Canada en son propre chef. Tout ce qu'il a fait, c'était dans la révolution de la modernité, mais il n'a jamais remercié JKK qui lui avait demandé de le faire. Peu importe, par gouverneur, Moussous Bassala qui a monté, mais Yesu qui a sali en mot, il devait dire, j'ai respecté la vision du président de la République d'autrefois. Il ne l'a jamais fait. Nous comprenons tout simplement par manque de reconnaissance, ou comme je l'ai dit, par une politique propagandiste, tout simplement. Après, que ma disciple, ma tambola qui na Yesu, à un certain jour, ma télémaki, ma tunyeme, toujours qui ne wapi. Qu'est-ce que nous allons gagner dans tout ce que nous faisons? Nous aussi, après avoir remarqué pendant plus de 9 ans, Makamwe Bélo Tosali, Nakatia Katumbisme, vous direz, mais qu'est-ce que nous avons fait? Katumbi n'était pas connu ici dans la diaspora. Katumbi, la diaspora, Baïba qui était. C'est un frère ici, que j'ai tel le nom parce que Nalimota Bakumo Bakuté. Moi-même, ainsi que Makuba Kuba, qui sont montés au créneau en 2012, fin 2012, pour commencer à parler de lui. Nous avons imposé ce nom de Katumbi comme marque déposée Katumbiste. Mais Tilelo, à ta SMS, il y a remerciement exacté. Alors que Batumusus Baena Sima, Bangonde Batelemilelo, Bakumugangao, Bangonde Bachef ya Katumbisme. Ce que j'ai dit là, personne ne peut le contredire. Et celui qui osera les contredire, je passerai encore ici, mais là je citerai le nom, mais ça sera dans une dimension un peu poussée. Là je reste dans les codes et dans les normes. Donc vous comprenez mes chers amis, que nous sommes, on dirait pas western, on dirait pas El Gringo, on dirait Rex Barker, on dirait pas la Katia, pas film, il y a pas western. On dirait pas le film, on dirait pas imposer loi. C'est ce qui ressemble à l'ensemble aujourd'hui. J'ai l'impression que ceux qui vont changer, vont rectifier, vont tirer la bamouté, eh bien, nous ne ferons pas long feu. Ça va finir comme une étincelle qui éclaire poupée de temps et qui disparaît
dans la nature. C'est parti, je peux vous dire aussi que c'est sans structure de communication. Aucun jour, il y a eu des communications entre ce que nous appelons le leadership, un leadership floué. On ne sait pas qui décide, je le répète, on ne sait pas qui décide. Parce que, vous n'avez pas de feedback, vous n'avez pas de réponse. Donc, il n'y a pas de structure de communication. On se réveille le matin, on ramasse les informations dans les réseaux sociaux, comme d'ailleurs les autres les ramassent. Et c'est d'ailleurs, il n'y a même pas de lettres circulaires pour dire voilà ce qu'il faut faire. C'est un parti sans structure de communication, un parti sans ancrage social. Katumbi, comme je peux le dire, Moïse Katumbi, il n'a pas ce sens-là sociable. Ce n'est pas un homme sociable. Autrement, on a une propagande. Je prendrai l'exemple de Papa Bomboko, tout simplement. Vous savez que chaque vendredi, Papa en a ou la mouka. Ce qui est ce que l'on a midi, à qui on a bureau, on a qui on a rombé, on a. À quoi vendre, on a de 13h à 18h, batu bati moulongo li banda zo yamba moko moko pendant 10-15 minutes. Chaque vendredi, voilà un homme sociable. Ayambi moko moko, ayoki moko moko. Quel est le jour où Moïse Katumbi s'est assis déjà sous un arbre à palabre, en train de recevoir les membres? Il est resté ici en Belgique 3 ans d'exil. Ayambi batu combien de fois? Ceux qui beaucoup taneza pour manger un peu, et puis manger, boire, et puis vous saluer, partir. Vous ne causez même pas et vous ne discutez pas. Vous ne discutez pas. Si tu as fait une farde avec des mémos au PC, et reçoit ni réponse, ni feedback. Donc tout ce que nous voyons là, accueilli, à Télémy, à Pessimbonga, à caméra toujours, à ce moment-là, filmer. C'est une façon de faire seulement une politique propagandiste. Donc, il y a comme une présidente, elle se comporte comme ça. Et le jour où il sera président, ça sera un roi, un Mao Zedong, emballé quelque part, ou Motoku, Taroko, Poussanate. Ce que j'ai dit là, j'ai dit bien Motoumourou, à quoi vous s'opposez la montée. Ou pas, vous mettez à vous s'opposer, Toro le Kanaya, mais là, on sera dans une dimension brisquée. Donc, à force de marcher dans ces groupements, je peux vous dire que l'espoir s'est amenuisé sur tout le plan. Et les attentes se sont dissipées. On a compris que on allait vraiment nulle part. Quand je dis nulle part, c'est nulle part. Pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là. Mais j'aimerais continuer dans les jours à venir pour vous dire que si ensemble ne se ressaisit pas, eh bien, il ne faut pas s'y attendre à grand-chose. Il y a des têtes, mais des têtes qui sont jetées en pâture. J'ai vu des femmes très éloquentes là-bas qui peuvent travailler vraiment d'arrache-pied et changer les choses. Mais c'est regrettable que nous, sur Bazaï, j'étais en pâtir. Il y a des gens qui partaient en haut. C'est un petit groupe de gens. Ou c'est tous les autres là qu'on voit. Mais nous restons sur cette position-là de dire on porte les questionnements dans le volume de cette émission dans lequel nous irons un peu plus loin. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que Mouvement Citoyen vous dit à la prochaine.